Chers amis, je vous propose maintenant de commencer. Nous sommes réunis dans ce webinaire organisé par la Fondation pour la prospective et l'innovation pour parler de ce qui se passe actuellement en Allemagne et ce qui va se passer sur le devenir de ce pays ami et voisin de la France, au cœur de l'Europe, puissance internationale, qui après ses élections législatives s'engage dans une nouvelle donne politique et qui concerne naturellement les propres voisins de l'Allemagne, mais aussi l'ensemble du monde géopolitique. Pour débattre de ces différents sujets qui posent la question et des relations franco-allemandes, et aussi de l'avenir de l'Europe, et de la place de l'Europe dans les tensions internationales actuelles, nous avons rassemblé un panel particulièrement brillant, que je remercie beaucoup de s'être mobilisé pour cette réflexion. J'accueille d'abord Matthias Fekel, qui nous fait le plaisir de participer à cet échange. Vous le savez, il a été ministre à plusieurs fonctions, mais notamment au commerce extérieur longtemps, il est aussi à l'intérieur, et il est franco-allemand, il suit ses sujets, il a une rubrique dans le journal L'Opinion, il est aujourd'hui avocat, et il conseille un grand nombre d'entreprises, notamment dans des stratégies d'investissement. Et donc, il a une vision très concrète, opérationnelle, un peu de ce qu'il connaît bien de par son acte de naissance, qui fait que pour lui, les relations franco-allemandes sont probablement dans son ADN. Je salue le président Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. Christian Cambon est dans cette position à la fois d'acteur de la diplomatie parlementaire, mais aussi d'observateur donc des relations, notamment entre la France et l'Allemagne, et il nous parlera de ce qu'il voit comme très marquant de ce que Angela Merkel a pu construire et ce que nous pouvons en déduire ensuite. Je voudrais saluer Jean-Claude Beaujour, qui lui est vice-président de l'organisation France-Amérique et il est avocat au barreau de Paris. Il a participé déjà à plusieurs de nos webinaires et il nous donnera un peu l'orientation un peu atlantique des réflexions, comment les choses se passent et comment il voit la situation aujourd'hui vue de nos partenaires américains. Et enfin, last but not least, Caroline Puel, que je suis très heureux de saluer, tout particulièrement parce qu'elle nous parle de Pékin et que pour elle, l'heure est tardive, dont je suis encore plus reconnaissant. Elle est écrivain et enseignante en économie et en géopolitique, vous le savez. Elle a été pendant 25 ans journaliste spécialisée sur la Chine. Elle a reçu le prix prestigieux Albert Londres et elle a écrit des livres, donc je recommande toujours ces livres qui sont, je crois, d'une grande et objectivité, ce qui n'est pas courant aujourd'hui, et profondeur, des 30 ans qui ont changé la Chine jusqu'aux 30 glorieuses chinoises, ce qui lui a valu notamment d'être enseignante à Sciences Po à Paris et à Bordeaux et actuellement les professeurs d'économie et de géopolitique à Pékin. Et même que les conseillers du commerce extérieur ont été chercher une journaliste, il fallait bien qu'elle soit compétente pour qu'elle puisse intégrer cette communauté particulièrement pertinente dans les échanges extérieurs. Donc ce que je vous propose, chers amis, c'est que nous engagions le débat avec nos panélistes. Je vais demander donc à chacun des panélistes de bien vouloir éteindre son micro quand il s'exprime de manière à ce qu'on ait une audition parfaite. Nous allons échanger les uns et les autres avec le panel, puis je vais demander à l'ambassadeur Serge de Gallet de bien vouloir fédérer toutes les questions. Vous pouvez poser vos questions en appuyant sur le signal QR qui est soit en haut si vous avez un iPad, soit en bas si vous avez un ordinateur, pour entrer votre question dans notre panel et Serge rassemblera ses questions et nous consacrerons les derniers moments de ce webinaire à notre échange entre les participants à cette rencontre et nos panélistes. Pour commencer sur ce sujet, je vais demander à Matthias Fekel, s'il le veut bien, de commencer son intervention.
On aurait de toute façon commencé par son intervention, mais il doit nous quitter, donc ce qui fait que je le remercie vraiment très sincèrement de s'être libéré pour avoir ce temps, parce que son analyse et l'angle qu'il porte d'analyse est très important pour nous. Il va nous présenter un peu les leçons qu'il tire de ces élections et comment il voit les résultats de ces élections impacter l'avenir de l'Allemagne, l'avenir de France globalement, l'avenir de l'Europe et l'avenir des relations internationales. On sent tous aujourd'hui que cette question est extrêmement importante. On voit bien que non seulement l'avenir de la France est très dépendant de ce qui se passe chez notre premier client, premier fournisseur, mais aussi naturellement de voir dans la situation internationale extrêmement tendue, dans cette guerre froide qui anime la Chine et les États-Unis actuellement, on voit bien qu'il nous faut une existence européenne pour ne pas être dévoré par cette nouvelle guerre froide et surtout pour éviter de sortir de l'histoire, car il pourrait se faire que si nous sommes séparés, divisés, finalement pour les deux hyperpuissances, nous comptions assez peu et que nous pourrions être placés à la périphérie des échanges du monde, ce qui n'est pas naturellement souhaitable pour notre pays ni pour notre continent. Alors, Mathias Fekl, je vous donne la parole en premier et en vous remerciant beaucoup de participer à cet échange et de nous faire part de votre analyse sur ce qui s'est passé dimanche dernier en Allemagne et les conséquences du choix des électeurs allemands. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Pierre Raffarin. Je veux vous saluer Monsieur l'Ambassadeur, le Président Cambon et les copanélistes, et vous saluer toutes et tous, Mesdames et Messieurs. Je veux d'abord vous remercier pour votre invitation. Je suis extrêmement heureux et honoré de pouvoir, j'allais dire échanger avec vous, mais malheureusement, je dois partir avant la fin, et je vous prie très sincèrement de bien vouloir m'en excuser, car j'aurais beaucoup aimé ensuite être aussi dans la partie interactive. Et puis, Monsieur le Premier ministre, je veux vous redire, et je crois que vous le savez, toute l'estime que j'ai pour vous, pour votre travail, dans le cadre de la Fondation, dans le cadre des leaders pour la paix, et puis également, on a des liens régionaux en commun. Alors, cela étant dit, sur les élections allemandes, je veux détailler plusieurs points dans cette introduction, à la fois sur les résultats eux-mêmes et sur ce qu'ils signifient pour l'Allemagne. Ensuite, une perspective, comme vous me l'avez demandé, sur la place des débats européens et internationaux dans cette campagne. Et puis peut-être aussi, vu de la France, l'impact que cette élection aura sur l'avenir du couple franco-allemand et de la construction européenne. Alors d'abord, le résultat en lui-même. Vous avez tous vu les résultats, donc je ne m'y attarde pas. L'ordre d'arrivée du scrutin, c'est une courte tête. La victoire des sociaux-démocrates, suivie des conservateurs, et ensuite les Verts, les libéraux, puis l'extrême droite. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? D'abord, la victoire des sociaux-démocrates est une surprise pour le plus grand nombre, et y compris pour moi. Je ne m'attendais pas, il y a encore quelques semaines, à cette dynamique de campagne. Les sociaux-démocrates qui ont été les partenaires de la CDU dans la grande coalition, on était sorti plutôt affaibli parce que la chancelière Merkel avait réussi à reprendre à son compte un certain nombre d'idées des sociaux-démocrates, à les incarner elle-même, si bien que beaucoup pensaient, moi inclus encore une fois, qu'ils étaient sortis relativement essorés de ces années de travail en commun. Je mets cela sur le compte, ce résultat, sur le compte bien sûr des maladresses probablement du candidat conservateur, et cela a défrayé la chronique et je ne m'y attarde pas, mais aussi plus profondément sur quelque chose qui n'avait pas été beaucoup vu depuis la France, ce sont les inégalités en Allemagne. On a beaucoup mis en avant les réformes Schröder qui, en termes de compétitivité, ont donné plusieurs temps d'avance à l'Allemagne, lui ont permis de redevenir une puissance économique exportatrice. On a moins vu les inégalités qui se sont accentuées, que ce soit entre l'Est et l'Ouest, ou que ce soit au sein de la société allemande dans son ensemble. Et donc le programme probablement a porté ses fruits de ce point de vue-là. Le deuxième tressaillant de ce résultat, c'est l'affaiblissement de ce qu'on appelle en Allemagne les Volksparteien, c'est-à-dire les grands partis populaires, qui ont structuré toute la vie politique allemande depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était au centre droit la CDU et son alliée bavaroise, la CSU, les chrétiens sociaux, et c'était au centre gauche les sociaux-démocrates. Jusqu'à une période récente, ils fédéraient chacun
un gros tiers des électeurs allemands et il couvrait un très large spectre électoral et social, sociologique, et puis ensuite aidé d'un plus petit parti où, ensemble, ils parvenaient à gouverner. Ça, c'est, je ne sais pas si c'est durablement terminé, en tout cas, cette élection est caractérisée toujours par leur prédominance. Ils représentent à eux deux plus de la moitié de l'électorat, mais il y a un quadripartisme qui s'est installé de manière très solide avec le FDP, les libéraux et les écologistes, qui tous peuvent maintenant prétendre à l'exercice du pouvoir. Un troisième trait saillant, c'est l'affaiblissement de l'extrême droite, affaiblissement à un niveau assez important pour l'Allemagne, autour des 10%, mais par rapport à ce qu'on a connu lors des dernières élections, où une centaine de députés d'extrême droite, dont certains purement et simplement néo-nazis, on en est là, on est quand même sur une décélération et leurs thèmes ont été très peu présents dans la campagne. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On lit partout dans la presse française comme internationale que l'Allemagne est en pleine incertitude, qu'elle est fragilisée. Moi, je ne le crois pas. Je pense que va s'ouvrir maintenant une période assez longue de négociations qui nous surprennent ici parce que notre système présidentialiste fait que le soir de l'élection présidentielle, on connaît non seulement le président, mais avec une quasi-certitude aussi la majorité sur laquelle il pourra ensuite s'appuyer. Et donc, on est un peu déconcerté. Là, il va y avoir des discussions de coalition qui sont extrêmement sérieuses. Et une fois qu'elles seront parvenues à leur terme, il y aura un programme de coalition qui, vraiment sur des centaines de pages, de manière contractuelle, Pierre Mendès-France aurait peut-être à ce sujet parlé de contrat de mandature, détaille ce qu'il faut faire. Et c'est un document qui engage tous ceux qui le signent. Le dernier contrat de coalition fait plus de 170 pages. Et alors, il y a tout ce qu'il n'a pas pu prévoir, comme la pandémie, etc., bien sûr, qui sont venus en plus. Mais pour le reste, il prévoit un programme de réforme avec vraiment un calendrier et beaucoup de précisions. Donc, ça donne une force très importante à l'Allemagne. Et moi, je nous invite tous, nous, à une forme de modestie quand on parle du risque d'instabilité, parce que la chancelière allemande a eu 4 homologues côté français, si on parle des présidents de la République, et encore plus, monsieur le Premier ministre, si on parle des chefs de gouvernement. Donc, voilà, il y a quand même une force du modèle allemand. Je ne dis pas qu'il est transposable tel quel, mais c'est en tout cas quelque chose d'intéressant à observer. Ça, c'est vu de l'intérieur de l'Allemagne. Ensuite, vu d'Allemagne, comment ont été appréhendés les thèmes européens et internationaux? Alors, sur ça, on peut malheureusement être très rapide parce qu'ils étaient très absents de la campagne. Très absents. Ça a été relevé, il y a eu des débats où le sujet européen n'a même pas été évoqué. Dans des longs débats à la télé, et qui pourtant étaient très substantiels et intéressants sur le fond, presque un peu ennuyeux, peut-être si on compare à l'hystérisation de notre propre débat public, mais factuel. Et l'Europe et l'international y étaient très absents. On était surtout sur des enjeux internes, l'économie, les questions sociales, questions de partage de la valeur ajoutée et de pouvoir d'achat, les questions de fiscalité avec des débats sur la progressivité du système fiscal, et de la taxation des plus grandes fortunes, et puis l'écologie. Cela a fait partie des thèmes saillants. Mais le reste en a été assez absent. Alors on peut le lire de manière pessimiste en disant que finalement l'Allemagne se replie sur elle-même ou se désintéresse des réalités du monde. Et puis il y a une lecture plus optimiste et qui ne me semble pas non plus complètement absurde ni incantatoire, c'est qu'en fait il y a un assez grand consensus sur beaucoup de sujets européens et internationaux. Il y a des différences d'approche, en particulier les Verts sont souvent encore marqués par un très grand pacifisme et par un refus des interventions militaires extérieures pour des raisons morales, pour des raisons historiques aussi liées au passé allemand, plus que d'autres familles politiques. Mais si on met cela à part sur la question européenne, sur l'ancrage européen de l'Allemagne, il n'y a en réalité aucun débat sur le principe. Sur les modalités, on verra ensuite qu'il en va un peu différemment, mais sur le principe, c'est quelque chose de partagé
et qui fait partie de l'ADN de toutes les grandes familles politiques allemandes. Il en va de même du lien transatlantique. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit bien avoir en tête dans notre propre pays. Si nous voulons construire une souveraineté européenne, si nous voulons travailler sur une affirmation de l'autonomie stratégique de l'Europe, il ne faut pas mettre l'Allemagne dans la situation de devoir se détourner des États-Unis. Ça me semble la meilleure manière de faire échouer les velléités, par ailleurs ô combien nécessaires, d'affirmation de l'Europe. Le passé allemand, mais aussi les liens économiques actuels, font qu'il peut y avoir des moments de friction, il peut y avoir de l'incompréhension, comme ce fut le cas sous la présidence Trump. Il peut y avoir un choc profond quand la chancelière est écoutée par les services secrets américains, mais ça restera quelque chose qui ensuite redescend, et le lien transatlantique n'est pas non plus quelque chose de négociable. Donc, tout cela pour dire quoi? L'Allemagne reste un pays qui a du mal avec le concept de puissance, qui a encore des difficultés presque philosophiques à considérer qu'elle doit se projeter à l'international, si ce n'est de manière économique. C'est une grande puissance économique et qui assume maintenant totalement son leadership économique en Europe. Alors, vous avez rappelé que j'avais été, monsieur le Premier ministre, en charge du commerce extérieur, et je commentais année après année les déficits abyssaux de notre commerce extérieur qui, depuis le début des années 2000, sont une constante. Et puis ensuite, pour m'accabler encore un peu plus, j'allais regarder les chiffres allemands où, depuis le début des années 2000, le commerce extérieur ne cesse d'être excédentaire et on est maintenant systématiquement à des excédents de plus de 200 milliards d'euros année après année, avec en plus peut-être pas encore un pivot, je pense que l'expression serait excessive, mais un arrimage de moins en moins fort ou de moins en moins exclusif à la zone euro. Un basculement vers l'Est, l'Europe de l'Est, et puis le Grand Est, la Chine que vous connaissez mieux que quiconque, et qui est maintenant un partenaire économique incontournable pour l'Allemagne. C'est une force pour son industrie, c'est une force pour son fameux Mittelstand, c'est-à-dire les entreprises de taille intermédiaire, souvent familiales, adossées à un territoire, extrêmement fidèles à ce territoire, innovantes, exportatrices. C'est aussi une fragilité dans la perspective que personne ne souhaite, mais qu'il faut bien aujourd'hui prendre en compte, où la Chine connaîtrait un retournement de son cycle économique et des difficultés qui, alors là, viendraient impacter de manière extrêmement forte et assez immédiate la puissance économique allemande, qui, encore une fois, s'est de plus en plus tournée vers cette partie-là du monde. Je veux conclure, pour tenir le temps qui m'a été indiqué, sur la suite et les conséquences de cette élection sur la construction européenne. Alors souvent, on se demande quel serait le meilleur chancelier, quelle serait la meilleure coalition pour la vue de France et pour l'approfondissement de l'intégration européenne. Je pense que c'est globalement indifférent. Non pas en fonction des hommes et des femmes qui sont au pouvoir, il n'y ait pas des différences, mais le consensus est assez fort, et y compris les sociodémocrates sont sur une ligne assez proche des conservateurs sur les questions de mutualisation des dettes, sur les questions d'intégration économique accrue au sein de l'Union européenne. Olaf Scholz, la tête de liste social-démocrate, était souvent même sur une ligne plus prudente que celle de la chancelière en réponse à certaines propositions françaises. Il me semble que toutes les coalitions, quelles qu'elles soient, seront avant tout dans une défense assez pragmatique des intérêts allemands, mais avec tout aussi en arrière-plan l'idée que l'ancrage européen de l'Allemagne n'est pas négociable et qu'il est incontournable que le couple franco-allemand demeure un moteur nécessaire à l'Europe. Donc il y aura cet équilibre-là, une plus grande sévérité du côté du FDP sur tout ce qui concernerait une éventuelle mutualisation de dettes, sans doute des écologistes plus allants, mais ça se discutera d'abord en Allemagne et d'abord en prise en compte des réalités économiques allemandes. Tout dernier point, car c'est un point de vigilance, en fonction de la durée des négociations de coalition, il peut y avoir un impact assez fort sur la présidence française de l'Union européenne,
qui déjà se déroulera dans un contexte électoral dans notre propre pays. Mais il est très difficile aujourd'hui de préparer cette présidence avec les partenaires allemands, puisque un nouveau gouvernement va se constituer, et donc la chancelière, qui est toujours en charge, sans doute hésitera à engager l'Allemagne sur des avancées structurelles, alors même qu'elle quitte le pouvoir. Donc là, il y a un enjeu direct, fort, important, sur la construction de l'agenda de cette présidence française de l'Union européenne. Évidemment, je suis comme, je pense, vous toutes et vous tous, un Européen convaincu et souhaitant que cette magnifique utopie du 21e siècle, du 20e et du 21e siècle continue à progresser. Il est souhaitable que là-dessus, la coopération soit la plus étroite possible, y compris dans les semaines et les mois à venir. Mon quart d'heure est écoulé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Mathias. C'est très intéressant. J'ai une question, ou plutôt un appel à commentaire. Comment font nos grands amis allemands pour être à la fois les premiers alliés des États-Unis en Europe et les premiers partenaires de la Chine? Tout est compliqué aujourd'hui, mais au fond, sur les deux sujets qui se tendent, et on voit bien que c'est de plus en plus compatible, finalement, ils sont en position de leader sur les deux dossiers. Est-ce que ça peut continuer? Comment est-ce qu'on évalue cette situation? Vous allez tout de suite au cœur des choses, et c'est une excellente à la fois analyse et question. Il me semble d'abord que probablement dans l'avenir, les deux pays vont sommer chacun de choisir leur camp. Mais je parle sous votre contrôle sur ces sujets-là, en particulier sur les questions chinoises. Je vois, pour certaines entreprises, qu'il devient de plus en plus délicat, ou qu'en tout cas, il est de plus en plus intégré dans l'analyse des risques pour les années à venir, comment faire du commerce dans les deux pays en même temps. Ça risque de devenir extrêmement compliqué d'avoir une activité en Chine, tout en étant, en termes de compliance, tout à fait réglo par rapport à ce que peuvent demander les États-Unis. Donc, ce qui vaut pour une entreprise, vaudra aussi de manière démultipliée pour un pays. Je ne sais pas quelle sera la réponse allemande sur ça. Aujourd'hui, leur export va dans les deux pays et donc il y a un jeu d'équilibre. Il me semble que c'est une porte d'entrée intéressante de discussion entre la France et l'Allemagne sur les questions d'autonomie stratégique. Parce que, encore une fois, plutôt que de vouloir construire ça contre les États-Unis ou en distanciation par rapport aux États-Unis, il faut le construire comme un point d'équilibre. Alors, il y aura des sujets de démocratie, de philosophie politique qui nous rapprocheront toujours plus des États-Unis que de la Chine, mais en termes d'affirmation économique, je pense que l'Europe aura cette nécessité de construire sa propre voie, ses propres outils, et probablement que le positionnement allemand là-dessus sera celui qui pourra ou non faire basculer l'Union européenne vers cette intégration plus forte. Mais je serais très, très curieux aussi de votre propre analyse de ce sujet. Mon analyse, très rapidement, elle rejoint complètement la vôtre, et que c'est sans doute que la meilleure façon de sortir de ces difficultés, c'est que la France et l'Allemagne trouvent cet équilibre justement ensemble, et que l'une et l'autre sont certes fortes individuellement pour exister, mais globalement... Moi, j'étais très surpris et impressionné quand le président Macron a reçu M. Xi Jinping en présence de Mme Merkel. Et on sentait bien que le franco-allemand, c'était le bon rapport de force. Et donc, dans cette situation d'équilibre où il ne faut pas être naïf, les rapports de force sont très importants, une stratégie commune franco-allemande serait sans doute une perspective. Mais ça doit être assez difficile à gérer. Je vous remercie beaucoup. Je sais que vous êtes pris, donc... Merci beaucoup de vous être libéré. Nous poursuivons le débat avec Christian Cambon, le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat, pour voir un peu quel trait marquant il trouve dans ce café Angela Merkel jusqu'à maintenant, et quelles sont ses analyses, lui, sur la place que l'Allemagne peut réserver à la France dans ses stratégies et son devenir. Merci Christian de ta présence à la fois de compétence et d'amitié. Ton micro. Voilà, est-ce que ça va mieux comme ça? Ça va beaucoup mieux.
Voilà, merci, Monsieur le Premier ministre, merci, cher Jean-Pierre, de me convier à ce débat tout à fait passionnant et d'actualité. Et je salue bien sûr les autres débatteurs et je vais tenter d'apporter quelques éléments bien modestes, mais je veux redire ici à Jean-Pierre toute la joie que j'ai à suivre le sillon qu'il a tracé à la tête de cette commission et notamment ce principe qui me guide comme il le guide encore aujourd'hui, à savoir travailler toujours pour la paix dans le monde. C'est un défi assez lourd, mais je pense que c'est important. Et la première chose consiste évidemment à s'entendre chaleureusement avec nos voisins. Alors, si mon impression, d'une manière générale, je ne vais pas dévoiler des choses qui sont méconnues de la part de nos intervenants, mais je pense que ce que l'on peut constater, c'est qu'au cours des 16 ans de mandat de la chancelière Angela Merkel, l'Allemagne a en fait sensiblement accru son rôle central en Europe. Et si, comme l'a dit Mathias Fekel, que je salue, l'enracinement politique, l'influence politique de l'Allemagne n'a pas été à la hauteur de sa puissance économique, on peut dire en tous les cas qu'à la fois cette puissance économique, mais aussi le différentiel de croissance s'est considérablement accru avec la France, ce qui pose du reste le problème de la pérennité du modèle et du couple franco-allemand, dont il faut du reste au passage souligner peut-être que c'est un concept plus français qu'allemand. Donc ça, c'est un sujet dont on pourra débattre. Donc, je voudrais brièvement faire deux séries d'observations, revenir un peu sur cette revendication totalement assumée de la part de l'Allemagne de statut de première puissance économique européenne, et puis apporter ma contribution et ma réflexion sur le fait de savoir si quel est l'avenir de ce couple franco-allemand dans un tel contexte. L'Allemagne, au cours de ces 16 années de Merkel, qui ont été une période particulièrement brillante pour l'Allemagne, l'Allemagne sort décomplexée, elle sort finalement avec sérénité, elle revendique du reste avec sérénité ce rôle de leader européen. Et ceci s'est manifesté évidemment concrètement sous de nombreux angles. D'abord, ça a été dit, je n'y reviens que légèrement, l'Allemagne a fondé cette base sur un véritable succès économique et notamment industriel. Cela a été dit, des réformes internes très importantes avaient été lancées sous le gouvernement Schröder, ça a été poursuivi par Angela Merkel et notamment la force du consensus qui est exprimé dans la GroKo, la fameuse coalition CDU-SPD, qui a mobilisé les forces vives politiques de ce pays pour faire les réformes économiques. Je note par exemple que l'Allemagne a poursuivi son investissement en matière industrielle et même pendant la crise du Covid, elle a fortement investi dans ses infrastructures, par exemple en matière de santé. Le nombre de lits de réanimation a beaucoup progressé qu'il n'a progressé en France dans le même temps. Et ceci, encore une fois, malgré la crise. Sur le plan budgétaire, je n'insiste pas sur la doctrine, l'orthodoxie budgétaire de l'Allemagne, avec une situation financière saine et donc des marges d'action qui sont toujours possibles. Alors évidemment, l'Allemagne, dans cette période, a tenté d'imposer ses conceptions en réduisant les marges de manœuvre de la France. Ce qui a créé quelques difficultés. Le Brexit, d'abord, de mon point de vue, a accru la prépondérance allemande car il réduit le nombre et le poids relatif des grands pays européens. Et il a sans doute contraint ce Brexit à inciter la France à lancer des coopérations industrielles, notamment dans un domaine que je suis particulièrement, celui de la défense, ce qui est une nouveauté. Ça ne se fait pas tant mal, je reviendrai dans un instant, mais en tous les cas, disons que là, il y a eu un influx qui a pu être partagé et conjugué entre nos deux pays. Le problème, c'est que l'Allemagne a toujours mené ses coopérations industrielles selon ses propres conceptions, qui sont, j'allais dire, culturellement éloignées de la conception française, notamment des industries de défense, qui, elles, sont tournées vers des besoins opérationnels. Or, il faut bien admettre que la France n'a pas du tout à ce jour les mêmes besoins opérationnels que la France, et ce sont en l'occurrence deux modèles d'armée très éloignés.
On vient de voir ces différences dans le débat sur l'application aux armées de la directive du temps de travail, où l'Allemagne pousse très fort pour l'application de la décision de la Cour de l'Union européenne sur les instructions de l'avocat général. Ils visent à faire adapter un temps de travail, j'allais dire quasiment industriel, à nos forces armées, ce qui est parfaitement incompatible avec la manière dont nous entendons faire fonctionner nos armées. Sur la position, je prends quelques exemples, une fois, sur les sujets que je connais le mieux pour illustrer le débat. Sur les exportations d'armes, par exemple, la position allemande est très ambiguë. L'Allemagne, on le sait, plus reste assez, est un très grand exportateur d'armes, mais une partie de sa classe politique y est vigoureusement hostile. Je pense notamment au Grünen et au SPD, et j'attends de voir évidemment le résultat dans ce domaine de la coalition qui est vraisemblablement en formation. De même, par exemple, sur les relations avec la Turquie, sujet majeur. L'Allemagne assume des positions qui sont très éloignées des positions françaises, qui sont aussi les positions grecques ou chypriotes. On peut voir aussi les mêmes différences dans les relations avec la Russie. Certes, l'Allemagne a une position qui n'est pas très éloignée et qui est dissonante avec celle de l'OTAN, mais on sait que de facto, l'Allemagne noue des liens économiques très forts sur le plan aussi simple que celui dont on vient de parler, je pense, Nord Stream 2, pour ne prendre que cet exemple. Dans le domaine spatial, c'est là maintenant que l'Allemagne revendique désormais la prééminence en raison de l'importance de ses investissements dans le domaine, alors qu'il s'agissait plutôt traditionnellement d'un secteur d'excellence française, et on pourrait, en matière de coopération capacitaire aussi, la BITD, la fameuse BITD, souligner la difficulté de nos relations. J'ai évoqué le grand projet SCAF. Certes, il y a eu ce vote très important du Parlement avant les élections qui a permis de mobiliser plus de 1 milliard d'euros sur ce projet, ce qui montre qu'on est entré dans une phase concrète, mais on s'aperçoit qu'on a frôlé le crash et que nous ne sommes toujours pas d'accord fondamentalement sur l'aspect aussi technique que sont les transferts de propriété scientifique dans ce domaine. Il suffit d'entendre nos amis de Dassault en parler. De la même manière, le projet de MGCS, c'est-à-dire le char franco-allemand interconnecté, il est littéralement bloqué, non pas par le gouvernement allemand du reste, mais par les industriels, et notamment par Rheinmetall. Et nous avons encore un autre exemple d'échec, c'est le projet de patrouille maritime, la patrouille aérienne maritime, la fameuse Maus, qui est littéralement enterrée sans préavis par l'Allemagne, ceci grâce à une demande d'avion américain, alors que les négociations avec la France étaient très engagées. Moyennant quoi, j'allais dire, en ce qui nous concerne, la France, pour le standard 3 du Tigre, qui est un hélicoptère extrêmement performant, eh bien, voyant la mollesse des Allemands, on les a laissés un peu sur le bord de la route au jour d'aujourd'hui. Alors tout ceci donne un bilan assez contrasté, à la fois de fortes convergences, mais de divergences aussi, ou en tous les cas de difficultés. Et donc, comment peut-on imaginer cette relation franco-allemande dans les années qui viennent? Alors, l'Allemagne peut, de notre point de vue, contribuer à converger avec la France. D'abord, parce que j'ai dit, il y a des programmes communs qui sont importants dans le domaine capacitaire, dans le domaine spatial. Je pense que la tentative permanente, nous l'avons illustré avec le président Raffarin, de maintenir un dialogue avec Moscou, ne va pas contre les intérêts de l'Allemagne, qui a elle-même une tradition d'ostpolitik qui travaille aussi sur Nord Stream, je l'ai dit il y a un instant, et ça on peut tout à fait aller de l'avant. Je rappelle aussi que l'Allemagne a offert au reste de l'Europe un front uni dans la négociation Brexit, et ceci est évidemment un point important, puisque là il n'y a pas eu de séparation, il n'y a pas eu de difficulté sur ce plan. Il y a une controverse sur les une convergence plus directement sur les valeurs. Là aussi, c'est très important. Ce qui relève des libertés publiques fondamentaux, la protection des minorités, la protection de l'environnement aussi, où on ressent quand même une vraie convergence. Et on peut aussi imaginer qu'un certain nombre de points forts dont peut faire état la France sont des éléments intéressants et peuvent justifier une relation avec l'Allemagne. Je pense au rôle traditionnel d'impulsion dans la construction européenne qui est reconnu par les Allemands, ce rôle français, notre savoir-faire en matière de défense, des attributs de puissance, je pense à notre présence au Conseil de sécurité, notre réseau diplomatique, notre réseau universel, la possession de l'arme nucléaire qui crée quand même
un peu de, à la fois des sujets d'interrogation, parfois y compris dans, chez les élites allemandes, mais qui ouvrent à la fois des difficultés, parce qu'une partie de la classe politique allemande y est hostile, une autre regarde malgré tout les garanties que cette arme nucléaire offre au reste de l'Europe. Alors, comment le positionnement allemand et notamment le positionnement stratégique de l'Allemagne peut évoluer à partir de ce bilan et de ces 16 ans? Moi, je pense qu'il y a des éléments nouveaux qui créent des points de réflexion. Je crois que le choc provoqué le départ des Américains de Kaboul et le, crée un certain doute maintenant sur la stratégie américaine. Et je crois que l'Allemagne, des contacts que nous avons encore tout à fait récemment, l'Allemagne semble commencer à intégrer, je dis semble commencer, je prends des précautions, à, semble intégrer une partie du raisonnement français sur l'autonomie stratégique européenne, et on va le voir, je l'espère, dans la, la présidence française, puisque ça va être une des thématiques de la présidence française, on va pouvoir compter nos points de vue. Certes, les approches restent assez différentes, avec notamment une primauté absolue, ça a été rappelé par Mathias Fekl, vis-à-vis de l'OTAN, et un refus d'une armée d'emploi. Je pense que quand on a certains responsables politiques récents ont utilisé la thématique de l'armée européenne, ça c'était vraiment des éléments à ne pas mettre en avant. Mais le retrait américain de l'Afghanistan a peut-être mieux fait comprendre la continuité du, de ce pivot stratégique américain vers l'Indo-Pacifique. Je passe sous silence l'affaire de l'Australie, mais je pense que l'Allemagne prend en compte, cela m'a été encore signifié par Karl Lammers qui dirige la délégation du Parlement allemand à l'OTAN et en préparation du sommet que nous allons faire ensemble à Lisbonne dans quelques jours, et il m'a dit qu'il souhaitait qu'ensemble nous travaillions également sur la rédaction d'un rapport franco-allemand sur l'autonomie stratégique, ce qui est tout à fait nouveau par rapport aux séances auxquelles il m'a été donné d'assister. De la même manière que les règles économiques et financières d'extraterritorialité mises en œuvre par les Américains sont irritantes pour l'Allemagne, notamment à raison de sa vocation exportatrice. Alors, sur la culture stratégique, c'est-à-dire, je reviens un instant sur les problèmes de défense, bon, là, il est clair que, j'ai dit combien il semblait difficile pour l'Allemagne pour l'armée d'emploi. Je rappelle par exemple qu'au Sahel, il nous apporte une logistique, mais lorsqu'il transporte nos soldats dans des points de contact au Sahel, les hommes sont dans un avion, les armes et les munitions sont dans un avion qui suit, ce qui n'est évidemment pas pratique d'une manière générale. Il faudra s'interroger sur la conception de l'Allemagne vis-à-vis du parapluie nucléaire américain qui évidemment concerne l'Allemagne qui reçoit des bases qui sont dotées de ces équipements. Il n'y a pas, de mon point de vue, il ne faut pas s'attendre à des basculements idéologiques, mais il peut y avoir des évolutions que les récentes attitudes successives des présidents américains encouragent cette espèce de « America first » qui fait que l'Europe devient un petit peu secondaire, et là, il peut y avoir une confiance. Alors, bien sûr, tout dépend de la coalition qui va être formée, mais moi, je veux terminer en soulignant un élément dont on parle peu et qui me semble très important, et que le Parlement, ce que fait Jean-Pierre et ce que je tente de faire derrière, est très important. Ça l'est d'une manière générale dans les relations internationales. Il faut se parler. On ne parle pas suffisamment aux Allemands. Alors, bien sûr, il y a ces sommets entre chefs d'État, entre ministres. Le Parlement ne se peut pas passer. Et quand on sait, par exemple, le rôle que joue le Bundestag dans la défense, un programme sur le SCAF, moi, mon collègue allemand me dit ce que dit Mme Merkel et M. Macron, nous, on s'en fiche. C'est nous, le Bundestag, qui déciderons si on fait ce programme commun. Donc, vous voyez, on est dans une conception très différente de la conception que nous avons en France. Je crois qu'il faut se parler. Il y a des difficultés de compréhension de concepts, d'histoire bien sûr, qui nous rapproche et qui nous a désunis, mais qui maintenant est un élément constructif pour nous tous, mais il ne faut pas hésiter à travailler ensemble, à nous rencontrer, le cas échéant, et c'est le rôle du Parlement qui peuvent se dire parfois des choses que ni les ambassadeurs ni les gouvernements ne peuvent se dire, il ne faut pas hésiter à identifier les difficultés et aller de l'avant, passer un peu plus de temps en Allemagne, mais c'est vrai que les Français sont toujours
ils sont toujours pressés. Madame Merkel, elle va 3 fois de suite une semaine en Chine, et nous, quand on y passe 38 heures, on a l'impression d'avoir fait une visite au long terme. Voilà ce que je voulais dire, monsieur le Premier ministre, cher Jean-Pierre, pour tenter d'illustrer des choses que vous savez tous, mais que nous essayons, nous, de mettre en forme en poursuivant un dialogue, enfin, je l'espère, que la coalition sera formée et que le Covid nous permettra de recirculer. Les contacts personnels et humains restent quand même la clé de tout progrès pour aller vers la paix et vers l'amitié. Merci beaucoup, monsieur le Président. Cher Christian, beaucoup de choses très importantes dans ce que vous venez de dire. Je vois 2 points qui sont d'importance un peu inégale, mais qui sont quand même très essentiels, qu'il faut qu'on travaille bien. C'est cette approche dont vous avez parlé d'autonomie stratégique avec la MERS et avec donc les Allemands. Ça, je pense que c'est un travail en commun. C'est vraiment quelque chose de très important, car on voit bien que dans les relations internationales, plus la position sera franco-allemande, et mieux ce sera. Je l'ai souvent dit, mais moi j'avais été frappé quand même quand en 2003 sur l'affaire de l'Irak, le monde, que je pense aux Indiens, aux Mexicains et même aux Canadiens qui nous avaient suivis, aux Chinois qui nous avaient suivis, qui avaient suivi le président Chirac sur la position en Irak, beaucoup voyaient que cette position, c'était celle du président Chirac, c'était celle d'avant, mais c'était celle du franco-allemand. Il y avait Schröder qui était d'accord. Et ça donnait un poids assez considérable. Donc le fait que l'autonomie stratégique, il y a des démarches communes, ça je pense, c'est très important. Et puis, dans le même sens, je pense qu'il faut bien travailler sur les relations avec le Parlement, parce que, comme vous le faites, parce que c'est très important. Je pense que dans le passé récent, peut-être que le changement d'organisation politique en France et le fait qu'il n'y avait plus ces deux grands partis, le Parti socialiste et l'UMP, qui avaient leurs deux interlocuteurs et qu'il y avait un dialogue CSU-UMP et un dialogue avec les socialistes et les sociaux-démocrates, au fond, notre réorganisation politique, qui n'est pas symétrique vraiment, fait que nos relations sont sans doute distendues. Et compte tenu du poids du Bundestag, je crois qu'il est très important de repenser bien les relations entre les parlements pour favoriser le fait qu'on se parle. Je rejoins tout à fait la conclusion du président Cambon, c'est qu'il nous faut faire des efforts pour construire ce dialogue permanent. On l'a vu dans de multiples occasions. Merci beaucoup, Christian, de cette intervention particulièrement dense. Je demande maintenant à Jean-Claude Beaujour de nous dire comment, vu des États-Unis, on considère l'Allemagne. Est-ce que c'est vraiment le champion de l'Europe, le leader de l'Europe, une sorte de même partenaire quasiment exclusif, ou est-ce qu'au contraire les choses sont un peu plus nuancées, et comment voit-on un peu l'avenir de cette relation, sachant quand même qu'avec le Brexit, les Anglais ont l'air candidats aussi à la relation d'exclusivité avec les États-Unis. Alors comment, Jean-Claude Beaujour, mon cher maître, voyez-vous cette évolution de la situation? Et le micro. Micro. Voilà. Merci, monsieur le Premier ministre. Et évidemment, je vous remercie pour votre invitation et je suis toujours ravi de partager mon analyse sur ce qui est, depuis Washington, la position, en tout cas la tendance. Tout d'abord, je voudrais dire, dans la continuité de ce qui a été indiqué, parce que pour une fois, mes deux copanélistes, je constate que nous allons beaucoup dans le même sens. Aujourd'hui, l'Amérique a un agenda, puisqu'elle a un président qui est élu maintenant depuis presque une année, qui est entré en fonction. Elle a un agenda international, elle a un agenda domestique, et dans cet agenda domestique, il y a, pour une fois beaucoup plus fortement que par le passé, une dimension internationale qui a cet impact sur le plan interne. Je pense notamment au fait qu'aujourd'hui, la concurrence, la compétition entre la France, les États-Unis et la Chine est telle que cela a un impact sur la politique intérieure et donc sur le positionnement américain, y compris à l'égard de l'Europe et des pays qui la composent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour dire que en réalité, l'Amérique a regardé jusqu'à dimanche dernier, était en quête de ce résultat allemand, et donc est en attente
aujourd'hui non plus seulement de la coalition, mais de l'accord gouvernemental avec le programme relativement défini entre les deux parties, qui deux ou trois peut-être, qui dirigeront l'Allemagne dans les semaines qui viennent. Enfin, autre élément qu'il faut prendre en considération du point de vue américain, c'est la présidence française de l'Union européenne, parce qu'évidemment, en fonction de la force et du poids de la relation franco-allemande ou de l'entraînement, de la capacité d'entraînement du président Macron pour les autres États, eh bien, ça pourra avoir un impact sur cette relation États-Unis-Allemagne. Alors, vous m'avez demandé très rapidement, 12 minutes, paraît-il, d'aborder deux, trois points différents. Tout d'abord, les faits marquants de la relation Allemagne-États-Unis ou États-Unis-Allemagne au cours de ces 16 dernières années, et de regarder par la suite comment est-ce que les Américains perçoivent l'Allemagne et quels sont les points de continuité ou de discontinuité dans la relation. Alors, très rapidement, pour rappeler qu'il y a 16 ans, et vous étiez, Monsieur le Premier ministre, vous étiez en fonction lorsque vous terminiez votre mandat, lorsque Angela Merkel est arrivée aux responsabilités. Souvenez-vous, les relations entre l'Allemagne et les États-Unis n'étaient pas au beau fixe, parce que les États-Unis s'étaient un peu fâchés avec leurs partenaires européens, dont la France et l'Allemagne, parce que nous avions refusé, les gouvernements respectifs de la France et de l'Allemagne, Gerhard Schröder avait refusé l'invasion d'Irak et une participation aussi active dans la guerre d'Irak. Cela avait à tel point fâché le gouvernement américain, qui ne comprenait pas que, alors même que nous étions dans l'alliance, en tout cas qu'il y avait l'OTAN, qu'on refuse le concours pour ce que l'Amérique considérait comme étant un point déterminant de sa politique étrangère, au point que Condoleezza Rice, je relisais un peu les mémoires, Condoleezza Rice disait qu'il y avait une atmosphère toxique entre les deux gouvernements américains et allemands, Condoleezza Rice qui était à cette époque secrétaire d'État américain. Ça, c'est la froideur des relations jusqu'en 2005. Lorsque Mme Merkel arrive aux responsabilités, donc les relations ne sont pas au beau fixe. Par la suite, et elle sait y faire puisqu'elle vient d'Allemagne de l'Est, on le sait, on a une relation beaucoup plus construite. Elle va prendre le temps de nourrir cette relation. Un certain nombre d'événements positifs vont évidemment favoriser la construction de ce partenariat. Je pense au fait qu'elle avait une relation extrêmement proche de Barack Obama, qu'elle a évidemment bénéficié de la reconstruction économique de l'Allemagne, et cela c'était particulièrement apprécié des Américains, qui voient et voient toujours en l'Allemagne une grande puissance industrielle, et ça a son importance. Autre élément, par exemple, qui a facilité la relation entre les deux pays, lorsqu'il y a eu l'attentat conduisant à la destruction d'un vol MH17 au-dessus de l'Ukraine, l'Allemagne et les États-Unis se sont retrouvés pour pouvoir agir de concert dans la relation stratégique à l'égard de la Russie. Donc ça, ce sont des points c'est un point, par exemple, qui a favorisé la relation avec les États-Unis. Il y a évidemment le virage, donc jusqu'à Barack Obama, les choses allaient bon train, l'Allemagne était très présente, l'excédent commercial, et le président Cambon l'a rappelé, et Mathieu Fekel également, l'excédent commercial, la relation commerciale est très forte à l'avantage de l'Allemagne, et on comprendra bien que l'Allemagne n'a eu cesse de bien traiter ses amis américains, le partenaire américain tout au long de ces années, puisque ce sont plusieurs, son excédent commercial est largement positif vis-à-vis des États-Unis. Les choses se sont un peu gâtées, donc on parlera plutôt de trou d'air dans le vol entre Mme Merkel et Donald Trump pour des raisons évidentes. Tout d'abord parce que les positions de Mme Merkel en Europe sont des positions qui ne convenaient pas au président Trump.
On se souvient qu'il avait eu à son égard, alors même qu'il n'était que candidat, il avait eu à l'égard de Mme Merkel des propos extrêmement désagréables lorsqu'elle avait accepté un million de migrants en Allemagne. Monsieur Trump, candidat, avait dit que Mme Merkel devrait avoir honte. On se souvient qu'il n'avait pas envoyé en Europe l'un de ses meilleurs conseillers, je pense à Richard Grenell, pour discuter avec les Allemands. Enfin, il y a la question de l'OTAN. Bref, un certain nombre de sujets, y compris le fait que l'Allemagne, on l'a évoqué tout à l'heure, a une relation économique très soutenue avec la Chine. Tout cela n'était pas de nature à rassurer ou à encourager la relation entre le gouvernement Trump et Mme Merkel, le gouvernement allemand. Eh bien, on comprend bien qu'au cours de cette période, il y a eu beaucoup d'eau dans le gaz. Joe Biden est non seulement devenu président, mais il a été le vice-président d'Obama. Donc, c'est tout naturellement que le dialogue a repris. Et j'ai envie de dire, on peut penser que sur les 16 ans de gouvernement Merkel, la relation américaine a plutôt été stable, plutôt positive. Pour autant, et ça me permettra de passer à la question qui m'a été posée sur le futur, pour autant, avec Joe Biden, certes, on est dans une forme de continuité, parce que Joe Biden, on l'a dit, est un spécialiste des questions internationales, qu'il connaît très bien Angela Merkel, il a été vice-président pendant 8 ans, donc c'est sans surprise qu'il discutera avec l'Allemagne. Pour autant, l'agenda de Washington a changé, et c'est cela qui est important aux États-Unis. L'agenda de Washington a changé à deux égards. La première, c'est que l'Amérique n'entend plus être le gendarme du monde, elle ne s'occupe plus à ce point de sécurité de par le monde, elle a une obsession, c'est l'obsession économique, elle regarde beaucoup vers la Chine, elle regarde beaucoup vers l'Asie, et l'incident, j'ai presque envie de dire le gros incident des sous-marins est là pour en témoigner. L'Amérique a donc un agenda économique sensiblement différent de ce qu'il était au début des années 2000. Donc ça fait la différence. La deuxième raison également qui me permettra de faire la transition, c'est que sur un certain nombre de sujets, la manière va être différente, la manière de présenter les choses par le gouvernement américain va être différente, mais les attentes du gouvernement américain, en tout cas de Washington, je peux vous dire que la question de la participation budgétaire à l'OTAN reste posée. La question du commerce extérieur est une préoccupation pour le gouvernement américain. Et puis surtout, quelle politique à l'égard de la Chine? Est-ce que l'Allemagne, et peut-être avec l'Allemagne, l'Europe, va se ranger strictement derrière les États-Unis? Est-ce qu'au contraire, on sera tenté de faire un 50-50? Ce sont les préoccupations véritablement immédiates des Américains. Et donc, ce qui me permet de préciser deux ou trois choses. S'agissant de la question de l'OTAN, je pense que le gouvernement américain s'attend toujours à ce que la dépense budgétaire d'ici à 2024 soit au niveau des 2% qui sont bien connus, parce qu'ils considèrent que l'Allemagne doit prendre sa part du fardeau. Et je ne pense pas que le gouvernement Trump bougera énormément. Souvenez-vous, c'était déjà une position de Barack Obama qui était déjà sur cette voie-là. Donc là-dessus, ça c'est une première chose. L'Amérique et le secrétaire d'État américain Blinken, il mettra les formes, il a une culture européenne, donc il saura présenter les choses, mais l'exigence sur le fond sera la même. J'insiste là-dessus parce que l'incident de ces deux dernières semaines sur les sous-marins nous a bien montré qu'aujourd'hui, l'Amérique a donc non seulement un agenda, mais elle a des exigences de politique interne et qu'elle ne nous fera pas de cadeaux. Elle défend ses intérêts. On a parlé d'America First. Ça ne sera pas America Only, mais America First. Et donc, elle a des intérêts à défendre. Et donc, il faut que dans la coalition, et c'est là où son interrogation, son interrogation porte sur le fait que décidera la coalition et que décideront les Français et les Allemands. Donc, première chose, c'est la question de l'OTAN. La deuxième chose, je dirais, et là-dessus, c'est un point,
elle est soulagée, l'Amérique est soulagée que elle est rentrée dans l'accord climat, elle est rentrée dans l'accord, elle est rentrée, elle a regagné l'OMS, il y a un certain nombre d'actes qui doivent être accomplis. Pour autant, eh bien, sur un certain nombre de sujets plus économiques, eh bien, elle est plus attentive à ce que nous décidons. Je pense notamment à l'affaire du Nord Stream 2 sur les pipelines, et là-dessus, elle attend des garanties, donc elle attend de voir ce que la coalition décidera. Est-ce que cette coalition décidera, puisque le pipeline est quasiment achevé à 95 ou 98%, qu'est-ce qui sera décidé pour la suite? Le secrétaire d'État américain Blinken a déjà bien rappelé les règles, et là c'est le juriste qui parle, les règles américaines pour lesquelles lorsqu'il y a un embargo, les entreprises américaines ne sont pas autorisées à travailler avec les pays en question. Donc c'est un signal très fort qui est envoyé. La question de l'extraterritorialité reste complètement d'actualité, alors même que un certain nombre de responsables politiques disent sur ces sujets d'extraterritorialité, nous ne bougerons pas. Et donc, que fera l'Allemagne? Est-ce que l'Allemagne décidera de peser de tout son poids ou pas? C'est une question qui est posée. La relation, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est véritablement important sur ce qu'attend aujourd'hui Washington, la relation Berlin-Pékin pourrait également être un sujet de discussion, parce que Washington entend aujourd'hui imposer en quelque sorte le tempo dans la relation entre les pays occidentaux et la Chine populaire. Vous savez, c'est l'un des rares sujets, s'agissant de la relation avec la Chine, et je sais que Mme Puel en parlera tout à l'heure, c'est l'un des rares sujets sur lesquels les démocrates se sont rangés comme un seul homme derrière ce qu'était la doctrine Trump. Donc là-dessus, sur le plan intérieur, et il faut garder à l'esprit qu'il y a des élections de mi-mandat dans quelques mois aux États-Unis, donc le président Biden sera attentif à ne pas céder grand-chose sur cette relation entre les États-Unis et l'Allemagne, et donc les États-Unis et l'Allemagne, et par Pékin interposé. Donc le vrai sujet pour eux, c'est là, quand vous me demandiez quel est le futur, ce futur dépend une fois de plus de la coalition et de la position qu'elle aura prise. Sur ce sujet d'ailleurs, et c'est une question qu'il faudra poser au futur chancelier, sur ce sujet d'ailleurs, souvenez-vous que Mme Merkel avait déjà dit au mois de février dernier sur la conférence sur la sécurité, elle avait déjà dit qu'on pouvait être amis, mais qu'il fallait que les intérêts pouvaient ne pas converger nécessairement. D'autres termes, ça n'est pas parce qu'on est amis avec les États-Unis que l'on doit se couper complètement de la relation avec la Chine. Donc, on imagine que ce que, à la fois ce qui essaiera de la position qui sera celle de l'Allemagne sera ne pas trop se couper de Pékin tout en maintenant les bonnes relations avec Washington. Donc, le vrai sujet aujourd'hui à Washington, c'est de savoir jusqu'où le gouvernement américain est prêt à aller pour imposer en quelque sorte sa position dans la relation entre les pays occidentaux et la Chine. Et ça, c'est un débat, un vrai débat que nous aurons et qui ira au-delà de l'Allemagne et qui dépendra également de la position française et de la position chinoise, évidemment, parce qu'il ne faut pas imaginer que ce soit une relation exclusivement unilatérale, mais bien multilatérale, à tout le moins bilatérale, et la Chine aura au moins son mot à dire. Voilà donc les quelques points. Je crois que pour me résumer, tenir dans le temps, je pense que ce qu'attend aujourd'hui, l'Amérique considère que l'Allemagne demeure un grand pays industriel, ça indiscutablement, et un pays industriel avec lequel on a envie de faire des affaires, indiscutablement. S'agissant de son poids politique et de sa capacité à entraîner ou à influencer la relation avec l'Europe, elle reste attentive et donc elle attend la formation du gouvernement allemand et le programme de gouvernement, mais elle reste également attentive à la présidence de l'Union, la présidence française de l'Union européenne, et donc ce sont des éléments qui vont jouer. Enfin, je crois savoir que dans un certain nombre de milieux à Washington,
la question de l'autonomie stratégique de l'Europe est une préoccupation, mais surtout ce qu'on se demande à Washington, c'est quel contenu nous entendons donner. Vous savez, les Américains ont une dimension très, très opérationnelle. Concrètement, c'est sur le plan de la politique de défense. Deuxièmement, sur le plan économique, qu'est-ce que nous entendons mettre dans cette autonomie stratégique et dans quelle mesure ça peut porter atteinte ou pas aux intérêts américains, et je pense surtout aux intérêts économiques, et là-dessus, il faut le garder en tête, aux intérêts économiques des États-Unis. C'est cela qui va être la préoccupation américaine dans les prochains mois. Merci beaucoup, cher Jean-Claude Beaujour. Je vois vraiment que, d'abord, vous connaissez parfaitement le sujet et qu'on voit quand même l'importance que tout ceci va déclencher, non seulement en fonction de ce que l'Amérique peut penser, mais aussi en face, comment les choses vont se passer. On parlait de l'extraterritorialité des lois. Peut-être que Caroline Puel va nous dire si les Chinois se préparent de leur côté aussi à avoir une logique d'extraterritorialité, au fond de pénalisation des entreprises qui travaillent avec le concurrent, pour ne pas dire l'ennemi. Chère Caroline, merci de veiller si tard. Comment aujourd'hui la Chine voit-elle l'Allemagne? Est-ce que c'est beaucoup plus que Das Auto? On a entendu souvent cet exemple que l'Allemagne c'est Das Auto, mais est-ce que c'est aussi pour toute l'industrie cette confiance qu'il y a dans l'Allemagne? Et est-ce que sur le plan stratégique, l'Allemagne compte autant que sur le plan industriel et commercial? Comment vous sentez les choses vu des Chinois que vous fréquentez quotidiennement? En tout cas, merci beaucoup d'être toujours avec nous malgré l'horaire pour vous à Pékin. Oui, bonsoir Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Pierre, et je suis même au milieu de la nuit très, très heureuse de vous retrouver ainsi que les autres intervenants pour toujours mener ces réflexions dans l'idée du maintien de la paix. Alors, du point de vue chinois, l'Allemagne est effectivement perçue avant tout comme un partenaire économique très important. C'est le partenaire essentiel pour la Chine en Europe. Et elle est très appréciée des Chinois pour deux points, sa continuité et sa stabilité dans la relation avec la Chine. Alors, la continuité, parce que finalement la relation a commencé à se développer fortement à partir d'Helmut Kohl, qui a ouvert l'Allemagne à sa relation avec l'Asie et la Chine. Et puis vous vous souvenez, donc, pendant les années 1990, à l'époque de Gerhard Schröder, ont démarré les fameuses grandes délégations d'hommes d'affaires allemands menées par le chancelier. Il amenait parfois jusqu'à 150 hommes d'affaires avec lui dans ses voyages. Et c'est dans cette période-là, très stratégique des années 90, que s'est développée vraiment la relation commerciale bilatérale entre l'Allemagne et la Chine, qui est d'ailleurs devenue donc le premier exportateur européen vers la Chine. Alors la France à l'époque vivait mal évidemment cette avancée allemande, puisqu'on a vu dans le courant des années 1990 se creuser ce différentiel entre les deux pays voisins. On oubliait un petit peu que tout s'était un peu joué au début de cette décennie autour de l'histoire des ventes d'armes à Taïwan, où il y a eu presque 2 ans de gel diplomatique, et c'est cette période-là qui correspondait à celle du début de l'ouverture de la Chine, dont l'Allemagne a profité pour gagner des parts de marché très importantes dans plusieurs secteurs clés, notamment l'automobile ou les métros par exemple, en menant donc des politiques assez habiles comme de gagner par exemple le marché des taxis de Shanghai qui ont permis à l'époque aux Chinois de mieux comprendre ce que c'était que l'automobile allemande et en tout cas d'avoir envie d'investir dedans, y compris au niveau de la classe moyenne. Alors,
Angela Merkel a poursuivi cette politique, elle s'est donc bien ancrée dans cette continuité, elle l'a reprise et elle l'a même accentuée, puisque pendant donc ces 16 ans au pouvoir, Angela Merkel est venue à de multiples reprises, comme ça a été souligné tout à l'heure par un autre intervenant, elle venait avec des voyages beaucoup plus longs que ceux qui étaient effectués généralement côté français. Et Angela Merkel est une personnalité que les Chinois apprécient beaucoup. Alors d'abord pour sa stabilité, mais aussi sa prudence politique. Et je me souviens de la position qui avait été adoptée par Angela Merkel au moment des Jeux Olympiques de 2008, où vous vous souvenez, il y avait tout un débat autour de la question tibétaine, et Angela Merkel, très habilement, avait en fait déminé le débat avant que la question lui soit posée par les Chinois, pour savoir si elle viendrait ou pas, et elle avait annoncé tout de suite, c'est un événement sportif, donc j'enverrai mon ministre des Sports. Et grâce à cela, la question ne lui a pas été posée de savoir si elle viendrait en personne. Voilà. Et fort habilement, deux mois après les Jeux, elle a effectué une visite, toujours donc accompagnée de nombreux hommes d'affaires à Pékin. Et je me souviens avoir assisté à sa rencontre avec les responsables chinois. Et jamais je n'avais eu l'impression qu'il y ait autant de personnalités qui sortent. Il y avait une sorte de fascination de la part des Chinois qui, bon, d'abord ne sont pas très habitués à voir des femmes en politique. Et puis, ils en avaient un certain souvenir puisque leur expérience précédente, c'était avec Margaret Thatcher et ça ne s'était pas très bien passé puisque c'était autour de la question de la rétrocession de Hong Kong. Et il y avait une fascination aussi, il y avait le mot connivence n'est pas totalement adapté, puisqu'il y avait une grande clarté de position de la part d'Angela Merkel, mais néanmoins il y avait une compréhension de sa part sur le système communiste qu'elle a quand même connu dans sa période de jeunesse en République fédérale allemande. Elle avait une compréhension de la manière dont le système communiste pouvait fonctionner. Et du côté chinois, le fait d'avoir le sentiment d'être compris permettait un dialogue certainement très particulier. Alors, est-ce qu'Angela Merkel a espéré voir évoluer la Chine ou la Russie aussi? On peut se poser la question d'une manière similaire à ce qu'a connu l'Allemagne fédérale. On peut se poser la question, ce sera intéressant le jour où elle écrira ses mémoires, de voir quelle était finalement sa pensée profonde à ce sujet. Moi, il me semble que ça a été surtout donc cet énorme pragmatisme allemand qui a été dominant. Et donc, sur la question que vous me posez sur les changements attendus ou redoutés, eh bien, je crois qu'il faut regarder un petit peu les personnalités des potentiels chanceliers. Alors, si on regarde le candidat du Parti social-démocrate, Olaf Scholz, eh bien, c'est vrai qu'il défend les libertés d'expression et la démocratie, bien sûr, mais il est en même temps assez prudent. C'était un proche de Gerhard Schröder. Il a été maire de Hambourg. Et vous savez que c'est à Hambourg, que dans le port de Hambourg, qu'arrive à peu près la moitié des marchandises en provenance de la Chine et en direction de l'Allemagne et même des parties de l'Europe. Donc il est plutôt dans l'idée que l'Europe doit développer une nouvelle politique de sécurité. Et je pense que sur la politique étrangère, il devrait s'aligner sur la ligne qui avait été adoptée par le SPD en juin 2020, à savoir une politique en trois dimensions, à la fois du partenariat avec la Chine, là où c'est possible, par exemple sur la politique climatique, le maintien d'échanges commerciaux aussi nombreux que possible, et malgré tout la conscience qu'il existe aujourd'hui une forme de rivalité systémique qui incite à la prudence, notamment sur les investissements.
En ce qui concerne Armin Laschet, eh bien, il a eu plutôt un profil bas jusqu'à présent dans sa campagne sur la question de la Chine. Néanmoins, il a évoqué à plusieurs reprises l'idée d'une stratégie alternative aux routes de la soie. Bon, il a vu aussi ce qui se passait au niveau de son port de Duisburg. Et il a été assez souvent interpellé sur la question des investissements chinois dans des infrastructures stratégiques critiques en Europe, et donc développe l'idée que l'Europe doit développer ses propres outils d'investissement et une réciprocité dans le domaine. Alors les conservateurs chrétiens sont divisés entre les atlantistes et les pragmatiques, et Armin Laschet fait clairement partie des pragmatiques, donc il essaiera de faire un équilibre entre les risques et les bénéfices. Et puis quant aux Verts, eh bien, il y a un discours qui est ferme sur les droits de l'homme, une demande de réciprocité sur les investissements, mais en même temps une sensibilité là aussi sur la question des dépendances, surtout économiques, et toujours aussi la volonté du maintien d'un dialogue. Donc finalement, je pense que la ligne allemande dans sa politique étrangère sur la Chine va se créer à l'occasion des discussions pour la mise en place de la coalition, et qu'on devrait voir émerger un mélange de maintien de pragmatisme, mais en même temps un souci croissant de vouloir défendre les valeurs européennes. Et j'étais assez frappée parce qu'avant-hier, j'assistais à un colloque d'hommes d'affaires allemands à Pékin, en ligne avec des homologues en Allemagne, au moment même où le ministre des Affaires étrangères chinois échangeait une conversation téléphonique avec son homologue allemand. Et j'étais très frappée par le changement de discours de la part de ces hommes d'affaires qui, bon, toujours soutenaient une position très pragmatique sur la Chine et sur leur envie de poursuivre le commerce. En guise d'exemple, je repense à ce qui s'est passé il y a 3 ans, en 2018, lorsque la Chine a fait évoluer son droit sur les entreprises étrangères, permettant pour la première fois à des investissements à 100% étrangers de se mettre en place dans plusieurs domaines. En quelques semaines, les Allemands ont réagi et ont signé une cinquantaine de contrats, essentiellement dans le domaine de la voiture électrique, et admettant par réciprocité aussi l'implantation sur le territoire allemand d'usines de batteries électriques chinoises très importante, hein, il va y avoir un très grand centre par exemple du côté de Erfurt. Donc les autres Européens ont été un petit peu médusés par cette rapidité d'action, mais aujourd'hui finalement les Allemands eux-mêmes ont l'air de voir un peu les limites de ce pragmatisme, hein, et se poser pendant ce colloque la question de savoir s'ils ne faisaient pas un petit peu trop cavalier seul, et s'il ne serait pas plus dans leur intérêt de se rapprocher de l'Europe et de se rapprocher en particulier de la France, dont le paysage économique aujourd'hui est peut-être plus adapté aux attentes du marché chinois. C'est-à-dire que la composition économique allemande correspondait bien au marché chinois des années 90 et 2000, et la composition française correspond mieux à celle de cette décennie, avec de nombreux domaines qui peuvent intéresser les Chinois. Alors, pourquoi cette réflexion allemande? D'abord, ça a été évoqué, je crois, par tous les intervenants, mais c'est vrai que cette crise du Covid a entraîné une prise de conscience des dépendances stratégiques, donc je ne m'étendrai pas dessus, mais je crois que c'est fondamental pour bien comprendre ce retournement. Deuxièmement, il y a aussi une forme de dépendance allemande qui s'est créée par rapport à l'importance des investissements menés en Chine, qui repose essentiellement sur deux piliers, le domaine automobile et la chimie. C'est à peu près 70% de leurs investissements, mais cela constitue aussi une part importante de leur PIB, une part importante aussi des cotations dans leur bourse.
Cela vient aussi certainement des conditions de travail et d'investissement qui sont actuellement très difficiles en Chine, puisque vous savez qu'on est toujours dans la politique du zéro cas Covid, et donc avec le maintien de quarantaines extrêmement lourdes, et qui ont entraîné par exemple les Allemands à mettre en place des charters spéciaux pour faire venir leurs hommes d'affaires et leurs familles. Il y a également donc cette prise de conscience des complémentarités franco-allemandes. Il y a aussi donc cette, j'étais assez surprise d'entendre cette phrase où les Allemands considéraient que finalement cette, cet esprit peut-être trop germano-allemand les empêchait aussi d'une certaine manière de devenir leader de l'Europe. Et que cet esprit, l'Allemagne avant tout, pouvait voilà, poser problème. Et puis, voilà, donc on a le sentiment aujourd'hui qu'on est rentré dans une logique qui sera toujours une logique de pragmatisme, mais qui va maintenant s'inscrire aussi dans une complémentarité, enfin qu'il y aurait une possibilité de complémentarité franco-allemande dans le cadre de l'Europe. Alors, comment est-ce que la Chine suit tout cela? Avant tout, je crois que c'est utile de rappeler qu'il y a une vraie fascination chinoise pour le couple franco-allemand, qui est quelque part un miroir inversé de la relation sino-japonaise, où il y a eu aussi des épisodes historiques compliqués. Et c'est vrai que la capacité que nous avons eue de nous réconcilier et aujourd'hui de construire ensemble reste quelque part un exemple qui interpelle sincèrement les Chinois et les Japonais aussi d'ailleurs. Ensuite, il y a toujours une suspicion de la part de la Chine que l'Allemagne soit quand même sous influence américaine et donc une bon, ce qui est une volonté de, voilà, d'essayer de comprendre quelles sont les clés de cette, de cette relation entre l'Allemagne et les États-Unis. Et il y a en particulier une très forte incompréhension par rapport à ce qui s'est passé en 2021 sur cette histoire des investissements, de l'accord sur les investissements étrangers en Europe. Vous savez qu'il y a eu cet accord qui a pris beaucoup de temps. Les Chinois soulignent toujours qu'ils ont fait tous leurs efforts et qu'ils ont même maintenu les négociations pendant cette période compliquée du Covid, qu'on est finalement arrivé à un accord le jour de Noël 2020, que cet accord était supposé stabiliser la relation entre, entre l'Europe et la Chine, et donc ils ne comprennent vraiment pas pourquoi, pourquoi le Parlement européen, enfin même s'ils connaissent évidemment le motif, mais pourquoi est-ce que le Parlement européen aurait tout à coup rompu ce dialogue, puisque c'est le terme utilisé par les Chinois. Et dans l'interprétation chinoise, il s'agissait en sous-main d'un jeu américain pour permettre de conserver une distance entre l'Europe et la Chine. Et les Chinois soulignent qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de cet accord et que quelque part, sa mise au réfrigérateur, en fait, les arrange plutôt sur le plan des investissements. Alors, les Chinois soulignent aussi qu'ils sont très intéressés par l'Europe, rappellent souvent que le président chinois a été le premier à se rendre à Bruxelles pour visiter les installations européennes, que c'était un signal important pour dire que la Chine croyait en l'Europe et voulait une Europe forte. La Chine est aussi consciente que l'opinion publique allemande et européenne est actuellement très anti-chinoise. Et donc, quelque part, elle espère que finalement, dans son rapprochement avec la France et donc l'Europe, l'Allemagne pourrait influencer un petit peu la position européenne pour l'amener à devenir, comme l'Allemagne, plus pragmatique et plus équilibrée à l'égard de la Chine.
Et donc cette succession d'Angela Merkel est un petit peu l'occasion de revisiter la relation franco-allemande, hein, on l'a compris, pour voir ensemble comment répondre à ce marché chinois, également comment répondre à la question des investissements chinois en Europe. Et c'est vrai qu'il apparaît que il y a une véritable nécessité aujourd'hui de développer une stratégie européenne autonome, à la fois sur le plan stratégique, numérique, sanitaire, énergétique, où on se poserait donc, et économique évidemment, on se poserait aussi la question de la relation avec la Russie. Et c'est cette stratégie européenne autonome, cette espèce d'indépendance gaullienne qui, de mon point de vue, permettrait de gagner le respect de la Chine en utilisant à la fois ce pragmatisme économique sans pour autant renier nos valeurs européennes. Merci beaucoup, Caroline, de votre intervention particulièrement documentée, particulièrement intéressante. Nous allons y revenir parce qu'il y a des choses qui sont très, très, très importantes. Je rappelle à tous ceux qui sont connectés dans cet entretien, dans ce webinaire, qu'ils peuvent poser des questions, et questions par écrit en tapotant leur signal en haut de leur iPad ou en bas de leur ordinateur, et que nous allons prendre les questions avec Serge Dugallet dans quelques minutes. Juste quelques questions de mise au point. J'aurais demandé au président Cambon si au fond il n'y a pas une opportunité française dans ce calendrier, parce que l'Allemagne va être en fait mobilisée dans ces négociations. On se souvient que la dernière fois, les choses ont mis 6 mois, donc on peut penser qu'il va falloir du temps, non seulement à constituer la coalition, mais ensuite à constituer le programme. Dans ce contexte-là, n'y a-t-il pas une opportunité pour la France, parce qu'on a quand même quelques mois de présidence française, et là, on va peut-être être dans cette période où il peut y avoir un leadership français, une initiative française, et donc de pouvoir avancer, ce qu'on n'a pas eu pendant assez longtemps, et qu'il y a peut-être là une opportunité. Alors bien sûr, l'élection présidentielle peut nous gêner, dans la mesure où on aura d'autres préoccupations, qu'on ne sait pas qui gouvernera la France au mois de juin, mais d'ici là, il y a sans doute une opportunité pour aller un peu de l'avant, et peut-être qu'il y a aussi une opportunité pour les initiatives parlementaires pendant cette période où, au fond, l'exécutif sera pris par d'autres objectifs. Alors, que penses-tu? Une réponse un petit peu contrastée, parce qu'effectivement, nous nous penchons beaucoup sur le calendrier. Le calendrier, en fait, comporte deux séquences. Une séquence actuelle que nous vivons et qui va durer un certain temps, pendant laquelle la relation franco-allemande est un peu paralysée par le fait qu'on ne sait pas avec qui pouvoir discuter. On a eu des relations avant les élections avec les leaders, mais il faut laisser, j'allais dire, l'Allemagne tranquille organiser sa coalition et cette future charte que Matthias Fekl évoquait tout à l'heure. Imaginons que cette coalition intervienne dans des temps assez rapides, mais enfin, on peut imaginer que jusqu'en novembre, peut-être décembre, certains disent même au-delà, puisque certains voit la chancelière Merkel encore en poste au 1er janvier, mais cet avantage calendaire va peut-être s'inverser au premier semestre 2022, puisque très tôt, nous-mêmes allons être aux prises avec les élections législatives et présidentielles, et on juge communément que la France a une liberté d'action jusque fin février, c'est-à-dire au moment où le Parlement, le 21 février, va suspendre ses travaux pour une durée très longue, puisque je rappelle que nous serons en fait suspendus de facto du 21 février jusqu'à fin juin pour attendre la fin du cycle des élections législatives. Alors, est-ce que ça veut dire que dans ce temps-là, tout le monde va attendre que les choses se passent? Je ne le crois pas. Je pense qu'en termes d'initiative, la France a une carte à jouer. On l'aura notamment dans ses premiers mois de présidence française, et notamment sur la thématique de l'autonomie stratégique, qui, j'en suis fier, se déroulera au Sénat le 25 février. On va recevoir les parlements des 27
membre de l'Union et on va essayer d'avancer ses idées. Et pour ma part, j'organise mon temps de travail et mes visites en Europe pour justement faire avancer ce concept en se basant un petit peu sur, pas simplement sur l'affaire d'Australie, mais plus sur celle de Kaboul qui semble marquer beaucoup, beaucoup, beaucoup nos voisins européens. En tous les cas, c'est ce qu'ils nous disent, cette espèce d'attitude un peu hautaine, cavalière ou méprisante selon les cas des Américains qui n'en réfèrent jamais à leurs principaux alliés. Alors je pense que dans le même temps, il est une autre enceinte sur laquelle les débats peuvent avancer, c'est celle de l'Alliance Atlantique. Au sein de l'Alliance Atlantique, nous avons manifestement revisité ce concept et il y a eu trop de crises successives, la Turquie, l'Afghanistan. Alors, on nous dit que le secrétaire général de l'OTAN a l'intention de dresser un bilan excessivement flatteur des mois qui viennent de s'écouler. On n'est pas exactement sur la même ligne. Et mon interlocuteur, Karl Lammers, me disait il y a deux jours qu'il compte évidemment sur la France, ce qui est assez nouveau, encore une fois, comme langage, une sorte de partenariat assez nouveau qu'il faudra expliquer, éclairer. En tous les cas, on peut certainement prendre des initiatives et on peut essayer déjà de prévoir ce qui va se passer, mais il nous faut un petit peu la composition de la coalition. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Est-ce que Serge de Gallet a des questions, là ? Moi, j'ai les miennes, mais je voudrais qu'on entende un peu celles qui viennent de notre public. Alors, on a relativement peu de questions, parce que nos orateurs ont été à la fois, ils ont couvert largement le champ et très clair, mais deux points qui sont, et puis bien sûr, naturellement, le fait que l'on attende la coalition, on peut poser beaucoup de questions, mais elle reste par définition très, très hypothétique. Il y a quand même deux sujets. Le premier, c'est la question de la défense. Jean-Claude Beaujour a rappelé que le président Biden maintiendrait ce qui avait été demandé par Trump et par Barack Obama. Donc, sur cette question de défense, compte tenu des positions exprimées par les différents partis, est-ce qu'on peut espérer que la défense européenne, les accords franco-allemands puissent prospérer? On voit bien que certaines formations y sont plus ou moins favorables, d'autres pas du tout. Et second point, c'est bien sûr la question de l'extraterritorialité des lois américaines. Est-ce que l'Europe sera en mesure, une fois les élections passées, de s'affirmer davantage et d'être moins tributaire de décisions américaines? Donc, tu as évoqué tout à l'heure le fait que la Chine s'engageait également dans cette voie de l'extraterritorialisation de ces lois, et on voit bien que c'est un sujet qui préoccupe et qui irrite ceux qui nous suivent. Voilà les questions. Merci. Merci Serge. Donc, j'interroge Jean-Claude Beaujour sur cette perception américaine, à la fois en ce qui concerne l'idée de défense européenne, mais aussi sur l'extraterritorialité. Et est-ce qu'on sent qu'on peut imaginer que l'extraterritorialité des autres vienne aussi gêner les États-Unis? Car si la Chine nous impose, avec tous nos composants, avec toute l'intervention de la Chine dans un certain nombre de nos productions industrielles, si nous sommes face aussi à une extraterritorialité chinoise, on voit bien qu'il va y avoir quand même des fortes tensions. Jean-Claude. Absolument. Alors, je voudrais rappeler, pour le cas où on aurait oublié, qu'il y a aussi une extraterritorialité européenne, parce que la RGDP s'applique aux acteurs américains. Donc, c'est un exemple d'extraterritorialité qui s'applique dans l'autre sens. Alors, ce sujet de l'extraterritorialité est particulièrement non pas compliqué techniquement, mais compliqué sur le plan de la psychologie politique des Américains, qui considèrent très souvent que les sujets
liés à la sécurité, les sujets liés à la lutte anticorruption sont en quelque sorte un corpus sur lequel ils sont presque rigides, en considérant que le sujet de l'extraterritorialité consiste à dire nous prenons des mesures pour pouvoir lutter contre la corruption, pour pouvoir imposer des règles de compliance, des règles de loyauté, et donc ces mesures accompagnent cette volonté politique forte. Et je crois que sur le fond, si nous avions une réponse à apporter, ce serait de regarder avec les Américains et non pas d'être en position de suivre, de regarder comment nous pouvons lutter ensemble et bâtir ensemble des règles de lutte contre la corruption internationale en particulier. Ça, c'est la première chose. Mais il est vrai que nos entreprises, notamment nos entreprises françaises ou européennes, sont lourdement, je ne referai pas l'histoire, sont lourdement taxées. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé, c'était une question qui m'était posée récemment, dans le cadre de la crise des sous-marins, où les Américains nous ont fait une mauvaise manière. C'est l'occasion de leur dire, il y a un certain nombre de sujets entre nous qui doivent être purgés. En tout état de cause, nous devons réouvrir la discussion, et je pense notamment au sujet de l'extraterritorialité, parce qu'il n'est pas normal que nos entreprises soient à ce point sanctionnées, et ça peut même être vu comme un élément de disqualification concurrentielle. Ça, c'est la première piste de réponse que je peux donner, ce qui veut dire que, oui, la discussion est compliquée avec eux sur ce sujet, j'ai expliqué pourquoi. Non, je pense que le débat n'est pas clos, et c'est précisément à l'occasion aussi bien de la présidence française que sur un autre calendrier, d'autres éléments, que nous pourrions insister. En fait, sur la défense, on sait bien, il y a à la fois la volonté de voir 2%, les 2%, il y a aussi la volonté de voir acheter du matériel de défense américaine, et il y a ce que nous voulons. Je pense que sur ce sujet-là, une fois encore, c'est notre capacité à parler d'une seule voix. Et donc cette capacité à parler, à défaut d'une seule voix, le président Cambon voit bien ce que je veux dire, parce que nous sommes parfois en ordre dispersé, mais c'est probablement... si avec les Allemands et pas seulement, nous arrivions sur quelques thématiques dans le cadre de l'autonomie stratégique, avoir un dialogue qui soit plus uni, et c'est pas de l'unité farfelue, bienveillante ou bon enfant, mais c'est véritablement dire voici ce que sera notre politique dans les 3-4 ans qui viennent, et voilà ce que nous attendons, puisque Biden a dit qu'il faut que nous reconstruisions cette relation qui a été un peu écorchée. Merci Jean-Claude. Je voudrais demander à Caroline Puel, elle nous a dit qu'elle avait donc entendu des l'industriel allemand évoquait un peu un retour à une proximité franco-allemande dans les rapports de force sur les échanges sino-européens. Je peux vous dire que j'étais assez surpris sur un discours tout récent de l'ambassadeur de Chine à Paris à l'occasion d'un message qu'il adressait pour la fête nationale chinoise, où l'exposé était à 80% en direction de l'Europe, et que pour la première fois, j'entendais le mot « Europe » extraordinairement présent. D'où ma question, est-ce que vous pensez que les Chinois voient d'un bon œil une perspective qui serait que de plus en plus la relation euro-chinoise soit une relation dominante, je dirais, franco-allemande. Est-ce que ça, c'est une piste? Est-ce que c'est une version qui est crédible? Et quels étaient les échos en Chine? Comment vous ressentez-vous quand Macron a reçu Xi Jinping avec Merkel et aussi Juncker? Comment est-ce que ce concept-là peut exister en Chine? Et est-ce que, puisqu'il n'est pas tout à fait national, il est plurinational, est-ce qu'il peut être accepté? Je crois que lorsque cette rencontre a eu lieu, il y a eu un effet de surprise la première fois, lors de la première rencontre donc, entre le président chinois et le président français, mais que finalement la formule a plu, puisqu'elle a été redemandée par les Chinois eux-mêmes lors des entretiens suivants, qui se sont faits donc, de manière virtuelle.
Et c'est vrai que depuis, la plupart des entretiens qui ont lieu se font sous cette forme-là. Donc il y a eu, en fait, je me souviens de depuis les tout débuts de l'ouverture de la Chine, depuis le début des années 80, il y a eu un vrai intérêt des Chinois pour l'Europe. Je me souviens lors des premières élections du Parlement européen, cela faisait déjà la une des journaux chinois à l'époque, et les Chinois expliquaient que dans la tradition culturelle chinoise, un meuble stable est un meuble à trois pieds. Et donc, dans les relations internationales, c'est la même chose, et la stabilité serait acquise s'il y avait finalement trois forces, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe et les États-Unis d'Asie. Et c'était un petit peu ainsi qu'ils envisageaient les choses à l'époque. Alors c'est vrai que les lenteurs européennes, notre bureaucratie les a souvent désemparés, mais finalement ils doivent aussi constater que nos formules ne sont pas si mauvaises. Et je pense que particulièrement la manière dont on gère finalement cette crise du Covid, même s'il y a eu quelques ratés au démarrage, on voit qu'aujourd'hui on revient à une vie économique et culturelle quasi normale, et je pense que ça interpelle aussi beaucoup, plus cette identité culturelle européenne qui est en train d'émerger. Alors le fait que le couple franco-allemand joue un rôle de locomotive dans cette Europe, oui, je pense que c'est apprécié et que la Chine, en fait, attend d'avoir un interlocuteur qui soutienne le rapport de force. Merci beaucoup, Caroline Puel. Christian Cambon, est-ce que sur cette idée de gestion un peu des et aussi bien des relations atlantiques que des relations avec l'Asie et la Chine notamment, est-ce que on peut penser que les Allemands ont cette conscience-là? Est-ce qu'ils ont la conscience de la gravité un peu de la situation, notamment de cette guerre froide entre les États-Unis et la Chine, et que finalement l'Europe risque d'être de côté si elle est divisée? Est-ce qu'il y a cette conscience-là que nous avons assez en France, qui fait qu'on a quand même des inquiétudes à se trouver isolé, avec le risque de sortir un peu de l'histoire si les deux grandes puissances nous négligent ou nous emprisonnent dans leur propre logique? Est-ce que les interlocuteurs allemands ont cette conscience, Christian Cambon? Déjà, est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai eu un petit souci informatique. Vous m'entendez? Très bien. On ne te voit pas, mais on t'entend. Voilà, je vais essayer de me rebrancher. Alors, est-ce que les Allemands ont ce souci? Oui, quelque part, mais comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, les Allemands ont quand même le sentiment d'être une puissance très importante, si ce n'est la plus importante en Europe, et très souvent ils mènent un peu cavalier seul, que ce soit dans ces affaires économiques ou plus particulièrement dans les problèmes de défense. Moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup dans les relations que nous avons avec nos collègues parlementaires de la défense, c'est le poids que représentent déjà les industriels. Les parlementaires allemands sont, j'allais dire pudiquement, fortement mobilisés par leurs industriels, et dans les réunions que nous avons, il n'est pas rare de voir sous les yeux d'un parlementaire une note avec l'antenne de Rheinmetall ou d'autres industriels, pour bien montrer que d'abord, ce qui compte, c'est le développement économique, c'est les affaires. Et donc, que ce soit dans les relations avec la Chine, la Russie, les États-Unis ou avec nous-mêmes, ils auront souvent tendance à faire prévaloir un petit peu leurs propres intérêts. Nous essayons, par exemple, on évoquait tout à l'heure les affaires de compliance. Moi, je veux bien partager avec les États-Unis le souhait et la volonté de mettre un petit peu d'ordre dans l'éthique des affaires du monde. Ceci posé, les règles de compliance américaines sont souvent mises à profit pour favoriser les entreprises américaines aux dépens des entreprises allemandes et françaises. Et on essaie justement avec nos amis allemands de les sensibiliser sur ce point.
c'est pas toujours facile, mais ceci existe véritablement, on l'a vu sur plusieurs exemples. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même le sentiment sur le plan économique d'être une puissance forte qui doit imprimer sa marque. On connaît les querelles, le Premier ministre les a sûrement vécues en son temps sur le déficit budgétaire, sur tous ces sujets-là, et il y a toujours un œil un peu condescendant de la part de nos amis allemands sur la manière dont sont gérées nos finances. Ce sont des discussions éternelles, chacun essaye de défendre un petit peu son point de vue, mais je pense que sur ce plan-là, et comme sur bien d'autres, il y a encore beaucoup de points de rapprochement, beaucoup de discussions à avoir, et toujours confronté à un sentiment de domination un peu économique. Ils le font avec courtoisie, avec élégance, mais ils le font tout de même, et je pense qu'il faut tenir compte de cet élément. Bien, je vous remercie beaucoup. Nous arrivons au terme de notre échange, et que j'ai trouvé particulièrement fertile et fructueux, par la densité de vos interventions et au fond, dans une période difficile où il n'est pas simple d'avoir de l'optimisme, il y a quand même dans nos échanges une conclusion assez optimiste que finalement la donne en Allemagne n'est pas forcément bouleversante, que quel que soit le leader de la coalition, nous aurons des responsabilités qui sont assumées, que les choses ne changeront pas. On a dit que le lien avec les États-Unis n'est pas négociable, que la relation économique avec la Chine restait très importante et que donc que le poids, ce que vient de dire Christian Cambon, de l'industrie allemande étant très importante dans les relations stratégiques de l'Allemagne. Donc on peut penser quand même que dans cette situation aujourd'hui de guerre froide, de compétition des leaderships et peut-être des compétitions d'extraterritorialité, que l'industrie allemande, les Allemands, le maire d'Hambourg et les autres vont avoir la sagesse de penser que finalement, cette autonomie stratégique un peu de l'Europe, c'est une voie vers laquelle on peut avancer. Et c'est, je pense, un point très important de réflexion, c'est de se dire que de toute façon, nous voyons bien que nous avons besoin, avec nos deux grands partenaires, pour être entendus d'une certaine forme de puissance. Cette puissance, nous la représentons encore plus naturellement avec l'Union européenne, mais aussi avec le couple franco-allemand, et que cette puissance-là, aujourd'hui, elle est face quand même à une réalité qui fait que si nous sommes séparés sur ces grands sujets, il y a assez peu d'espérance. Et plus les industriels, le pragmatisme, plus les Chinois d'un côté, les Américains de l'autre auront envie de travailler avec l'Allemagne et travailler avec la France, plus une stratégie partagée France-Allemagne peut-être être une occasion de recherche de cet équilibre dont on parlait tout à l'heure et dont Caroline Puel parlait. Je pense que c'est quand même quelque chose de très important puisque nous sommes face à deux réalités qui ne dépendent pas de nous. Le fait que nous sommes alliés avec les États-Unis, c'est une question et d'histoire et de valeur, et que de toute façon, tout ceci est une forme de structure historique qui est, comme on le disait tout à l'heure, innégociable. Et de l'autre côté, on a une réalité avec cette Chine montante, où on voit bien qu'on ne peut pas avoir vis-à-vis de la Chine les comportements qui ont pu être ceux vis-à-vis du Vietnam ou ceux de Cuba, puisque la Chine va peser dans le monde qui vient un poids considérable. Donc je vois quand même dans cette situation de gravité une perspective de coopération quand même qui apparaît assez raisonnable et assez responsable et qui finalement remet un peu l'Europe dans sa vocation, puisque ça a été dit tout à l'heure, et Jean-Claude Beaujour en parlait, et Caroline Puel également, quand on parle de cette alliance entre la France et l'Allemagne qui a surmonté l'horreur, finalement, que les autres partenaires du monde entier peuvent quand même regarder cette relation comme une relation un peu d'exception, et on a quand même un message à dire, et le message, c'est peut-être que la gravité nous rend raisonnable, et en tout cas nous permet d'envisager une position d'équilibre dans ce monde bouleversé. Je voudrais remercier Jean-Claude Beaujour, Christian Cambon et Caroline Puel
et en lui souhaitant une bonne nuit, qu'elle n'a hélas pas pu commencer maintenant à cause de nous. Et je voudrais aussi remercier Mathias Kekel qui a participé au début de nos échanges. Merci à la Fondation Prospective et Innovation de l'organisation de ce travail, à Serge de Gallet et à toute son équipe. C'était un webinaire particulièrement fertile. Je crois que nous allons bien analyser tout cela, nous allons mettre ça en forme de manière à ce que tout puisse être relayé en permanence. Nous avons beaucoup d'auditeurs à chaque webinaire, mais on a aussi beaucoup, beaucoup de consultations de nos vidéos qui sont la preuve que ce genre de débat interpelle beaucoup de citoyens, d'experts, et que tout ceci est très intéressant. Merci de la qualité du travail que vous avez donné aujourd'hui en nous consacrant du temps. Merci à tous et au prochain webinaire. Et à ceux qui sont très loin, Caroline, à bientôt, j'espère qu'on pourra reprendre les voyages un jour. Je sais que Jean-Claude Beaujour doit aller aux États-Unis, que le président Cambon veut passer par les fenêtres un peu pour renouer les relations, notamment avec les partenaires européens, et que tout ceci est très important. La diplomatie sans contact direct, ça peut être un peu dangereux, donc il est grand temps que les contacts puissent reprendre. Merci à tous et à bientôt.